Si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous portez bien. Si tu le sais pas, j'ai un compte Twitch. Tous les samedis soirs, je fais des lives dessus. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire des jeux que je fais sur Twitch avec mes abonnés, mais cette fois, sur YouTube, avec toi. Donc le concept est simple, tu vas devoir affronter Akinator. Si tu réussis à le battre, note ton point, et surtout, mets ton résultat final dans les commentaires. Comme d'habitude, je te mettrai ma petite appréciation. Sur ce, let's go! Alors c'est simple, donc moi je vais penser à un personnage d'anime ou de manga. Et vous, votre but, ce sera de trouver à quel personnage je pense avant Akinator, ok? Je laisse. Alors, ton personnage est-il une fille? Non, c'est un bonhomme. Ton personnage est-il réel? Bah non. Ton personnage porte-t-il des chaussures? Bah... Ah merde, en vrai je sais pas. Ouais, il en porte. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Bon, maintenant, je regarde le chat pour voir si vous avez donné des réponses. Ah, il y en a qui veulent que je diminue la musique. Est-ce que vous voulez que je diminue la musique, le son de la musique, les gars? Ok, bon, il n'y a pas trop de réponses. Enfin, si, je vois Ulysse, mais non, c'est pas Ulysse. Laisse la musique. Ok, donc je vais diminuer le son. Ok, d'accord. Merde, à chaque fois que je dis ok, en fait, il y a mon ok Google qui vient. Et du coup, je vois plus mon le chat. Alors, Maggie, non, c'est pas Maggie. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oui. Ton personnage est-il un ninja? Non. Ton personnage est-il issu de Dragon Ball? Oui. Ton personnage est-il en couple avec une femme? Non. Ton personnage est-il méchant? Oui. Ton personnage est-il toujours habillé en noir? Non. Ton personnage a-t-il la faculté de se transformer en Super Saiyan? Oui. Ton personnage s'est-il déjà mis nu devant toi? Non. Ton personnage fait-il partie d'un groupe Red Velvet? Non. Ton personnage a-t-il joué dans l'équipe de basket de Bourges? Non. Il est con, quoi. Ton personnage apparaît-il dans Donkey Kong? Non. Ton personnage a-t-il des enfants? Non. Ton personnage est-il catholique? Non. Ton personnage est-il semi-légendaire? Oui. Ton personnage sort-il avec une brune? Non. Broly, il a trouvé Broly. Maintenant, je vais regarder vos messages et je vais voir si vous, vous avez trouvé Broly avant. Donc, 22h41. Tac, tac, Sasuke. Non, c'est pas Sasuke. Gohan, non, Vegeta. Ah, Broly. Bien joué, vous avez trouvé Broly avant. Ok, les gars, bien joué. Donc là, je tiens à ce qu'une personne se dévoue pour faire le compte des points. Donc là, ça fait 1 point pour la team Sensei et 0 point pour la team Akinator. Donc on passe tout de suite à la suite. Et pour ceux qui ont Discord, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé des noms de personnages pour les faire deviner. Ok, ok, donc du coup là ça fait 1 point pour la team Sensei et 0 point pour la team Akinator. Alors c'est où le truc rejouer là? Ah ok. Alors cette fois-ci je vais vous prendre un perso qui sera un peu plus dur à trouver. Ok, c'est bon, on va prendre lui. Alors ton personnage est-il de sexe féminin? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage fait-il des combats? Oui. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage porte-t-il un costume orange? Non. Putain, je suis con, mais pourquoi j'ai réfléchi autant? Ton personnage porte-t-il une arme? Oui. Maintenant, je vais regarder le chat pour voir. Ok, ok, il y a personne qui a dit de nom de personnage d'animé. Great Teacher Onizuka, non, c'est pas lui. Non, en vrai, il sera facile celui-ci. Ton personnage est-il parti de Hunger Games? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage vit-il en Nouvelle-Zélande? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux jaunes? Non. Ton personnage porte-t-il des vêtements avec une étoile? Non. Ton personnage va-t-il à l'école? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux blancs?
Non. Ton personnage a-t-il connu ses plus grands succès au cours des années 80? Non. Ton personnage fréquente-t-il le même lieu de travail que toi? Non. Donc là, je regarde vite fait le chat. Donc Eren, non, c'est pas Eren. Moroa, non, c'est pas Amora. Ton personnage fait-il partie d'un groupe de trois personnes? Non. Ton personnage a-t-il une sœur? Ne sais pas. Ton personnage est-il le petit-fils d'un Hokage? Non. Ton personnage est-il un marin ou un pirate? Non. Ton personnage combat-il avec une épée? Oui. Maintenant, je vais regarder vos messages. Alors, Alan Walker, non. Ken Kaneki, non. Natsu, non. Naruto, non. Kaneki, non. Ton personnage a-t-il enseigné? Non. Ton personnage porte-t-il un kimono? Non. Ton personnage est-il mondialement connu? Oui. Asta de Black Clover. Maintenant, je regarde le chat pour voir si vous avez marqué Asta. Et non, vous n'avez pas marqué Asta. Les gars, je fais vite fait une pause. Je vais aller me prendre un verre d'eau. Et je reviens vite fait. Hein. Donc là, du coup, vous vous êtes fait fumer par Akinator. Ah ouais, donc pour ceux qui savent pas, moi je suis du côté d'Akinator. Hein. Parce que la dernière fois, je crois que vous lui avez mis facile 10-0. J'avais le démon, franchement. Donc là, les gars, je fais vite fait une pause. Je vais me prendre un verre d'eau et je reviens. Donc je reviens dans une minute. Ouais. Alors, ton personnage est-il un garçon? Oui. Ton personnage est-il français? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il méchant? Non. Ton personnage va-t-il à l'école? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux jaunes? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux blancs? Non. Ton personnage a-t-il... Waouh, s'agit-il d'un personnage de One Piece? Non. Ton personnage est-il un ninja? Non. Ton personnage fait-il partie de Fairy Tail? Non. Ton personnage combat-t-il avec une épée? Est-ce qu'on peut dire que c'est une épée? Non, c'est pas une épée. Non. Ton personnage a-t-il tué des hommes? Ouais, bah ouais, je pense. Ton personnage peut-il voler? Évidemment. Ton personnage est-il issu de Dragon Ball? Non. Ton personnage est-il actuellement marié? Non. Ton personnage est-il un freestyler? What the fuck? Non. Ton personnage a-t-il la taille d'un enfant? En vrai, ça dépend. Ouais. Ton personnage est-il de ta classe? Non. Du con quoi. Ton personnage est-il amoureux d'une géante? Oui. C'est King. Ok, c'est bien King. Maintenant, je vais regarder vos messages pour voir si vous avez trouvé King avant Akinator. Alors, tac tac tac. Victor de Yuri on Ice, non, c'était pas lui. Katsuki, non. Reborn, non. Là, on voit tous les tricheurs qui marquent King après. Non, les gars, c'est trop tard. Akinator vous a fumé, les gars. Donc là, ça fait 2-1 pour Akinator. 2-1 pour Akinator. Là, les gars, franchement, ah, bravo, hein. Franchement, la team Sensei, là, attendez, là, on est combien? Là, vous êtes 51 contre 1, mec. 51 contre 1. Y a pas plus inégal comme combat. Et vous vous faites fumer, les gars. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Là, je vous mets mes pronostics. Akinator, il va vous fumer 10-1. Je vous dis, il va vous fumer 10-1. Alors, je charge vite sur un autre perso. Qui je pourrais mettre? Il y en a 10, c'est les messages qui mettent du temps à arriver. Ok, bah je vais prendre mon temps alors pour répondre. Je vais prendre tout mon temps pour répondre aux questions, comme ça vous pourrez pas dire ça. Comme ça, vous aurez aussi le temps de répondre 51 contre un robot. Ouais, mais bon, ouais, voilà. Vous êtes les élèves d'Anto Sensei quand même. Alors, qui je vais prendre? Oh, je sais, celui-ci sera dur quand même. Ton personnage est-il un garçon? Oui. Ton personnage habite-t-il en France? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il méchant? Non. Ton personnage va-t-il à l'école? Oui. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Non. Ton personnage fait-il de la magie céleste? Non. Maintenant, je regarde vos messages. Y a Kibo qui reprend tout ce que je dis. Ok. Ton personnage a-t-il un dragon? Non. Ton personnage est-il obsédé par ses cheveux? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux rouges? Non. Ton personnage est-il un ninja? Non. Ton personnage chante-t-il du gothique? Non. Ton personnage a-t-il des super pouvoirs? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux couramment bleus? Non. Ton personnage est-il amoureux du personnage principal? Oui.
Ton personnage a-t-il des cheveux blancs? Non. Ton personnage peut-il se transformer? Non. Maintenant, je regarde vite fait le chat. Kagami? Non, c'est pas Kagami. Kaguya-sama? Non, c'est pas Kaguya-sama. Ton personnage a-t-il une sœur? Merde. Oui, il a une sœur, il me semble. Ouais, il en a une. Ton personnage a-t-il une petite sœur? Ouais, il me semble. Ton personnage a-t-il un lien avec le jeu Amour Sucré? Non. Ton personnage a-t-il déjà eu les cheveux blonds? Bah ouais. Ton Nanashima de Kiss Him Not Me. Non, c'est pas lui. Donc là, Akinator s'est trompé, hein. Donc là, je regarde vos réponses. Et si vous aussi, vous n'avez pas trouvé la réponse, on va continuer, en fait. Alors, qu'est-ce que vous dites? Kagami? Non, c'est pas Kagami, on l'a déjà dit. Dragon... Rem? Non. Ram? Non. Rogno, si toi, tu es sur Discord et que tu es sur mon serveur, tu vas dans le chat général et tu demandes à une personne de ping Anto Sensei. C'est obligé qu'il y a au moins une personne de connectée à cette heure-là. Bon, les gars, vous avez pas trouvé, hein. Donc, du coup, ouais, réfléchissez entre vous, les gars, hein. C'est un jeu d'équipe. Là, c'est bien qu'Ibo, en fait, elle vous fait un petit résumé de mes réponses. Merde, j'ai marqué qu'il avait raison. Rejouer. Donc là, il l'a pas trouvé, hein. Bon, je vais vous donner un indice qui en sera pas vraiment un. J'ai déjà présenté l'anime dans lequel est ce personnage dans un anime où les filles étaient à l'honneur. Ton personnage est-il un garçon? Oui. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il animation japonaise? Oui. Est-il le héros principal? Non. Est-il méchant? Non. Va-t-il à l'école? Oui. Fait-il des combats? Oui. A-t-il des cheveux rouges? Non. Est-il québécois? Non. A-t-il des cheveux jaunes? Oui. A-t-il une... Peut-il chanter d'une voix féminine? Je ne sais pas. Est-il un ninja? Non. A-t-il des super pouvoirs? Non. Protège-t-il la planète Terre? Non. Possède-t-il des armes? Oui. Combat-t-il des titans? Non. Joue-t-il au jeu Fortnite? Non. Est-il un assassin? Non. As-tu une relation amoureuse avec ton personnage actuellement? Non. Il est fou, lui. Ton personnage a-t-il déjà fait de la chirurgie esthétique? Non. S'est-il déjà pris pour un animal? Non. Possède-t-il un chien? Ne sais pas. Est-il transporté dans un autre monde? Non. Non, il s'est trompé, il arrive pas. Alors, je regarde vos réponses maintenant. Ikigaya Hachiman? Non. C'est dans Akamigakin? Non. Il fait des combats, il est pas méchant. Boku no Pico? Non. Nakano pour l'ancien personnage? Non. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Le personnage, au pire, pour les mecs qui sont vraiment déter hein, à gagner, le personnage se trouve dans une vidéo où il y a marqué top 6 animé où l'héroïne est... où c'est une femme qui est ultra forte depuis le début. Et c'est l'animé qui est en première position, je crois. En première position et le personnage apparaît. Donc le personnage se trouve dans la vidéo top 6 animé où l'héroïne est ultra forte dès le début. Un truc du genre. Et se trouve dans l'animé en première position. Là, les plus déter, vous, normalement, vous pourriez trouver. Vous le voyez normalement dans la vidéo. Vu que c'est un personnage qui est limite... C'est pas le personnage principal, mais c'est un peu comme l'acolyte. C'est comme, par exemple, une Sakura. Dans Naruto, Sakura, c'est pas le perso principal. Le perso principal de Naruto, c'est Naruto. Mais elle est souvent là. Non, plus un Sasuke, hein, plus un Sasuke. Attendez, je fais un truc vite fait. Erza, non, c'est pas Erza. Ikayu Yobuto. Oui, Yoshiro Mata, c'est bel et bien ça, l'anime. Waouh, la vidéo dans laquelle j'ai présenté. Attendez, là, j'ai un trou de mémoire, donc je recherche le nom. Alors, oui, c'est lui. Ouais, j'avais un petit trou de mémoire sur son nom, mais c'est bel et bien lui.
Alors maintenant je regarde vite fait vos messages. Alors qu'est-ce que vous dites? Akuma no Riddle, non. Akabane Raishin, non. Attendez, on est d'accord, le... Bon, je vais vous dire c'est quoi l'anime du coup. L'anime c'est Medata Box. Si je me souviens bien, Medata Box, je l'ai mis en numéro 1, c'est obligé, je l'ai mis en numéro 1. Donc l'anime c'est Medata Box. Pourquoi vous me dites Tatsumi? J'ai pas présenté Akamega Kill. Non, j'ai pas de modo à Twitch. Ça fait pas longtemps que je suis sur Twitch. Medata Box. Bon là en vrai vous avez trouvé, là je vous ai donné le point carrément. Non mais les gars, un peu de réflexion. Moi si un mec il me dit que c'est un personnage qui est presque dans les persos principaux, qui est un gars et qui est blond, et qui me dit que l'anime c'est Medata Box, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je marque Medata Box, je marque personnages principaux. Après Google Images, je regarde les photos et je prends celui qui est blond et je dis c'est simple les mecs. Moi j'aurais triché comme jamais à votre place. Ouais bien joué Wozak, c'est Itoyoshi Zenkichi. Bon bah au moins là j'ai capté, si j'augmente un tout petit peu le niveau, vous êtes largué. Bon bah du coup je continue avec des animés quand même assez connus, mais je vais juste prendre des personnages peut-être un peu moins connus. Donc bah du coup en vrai je vous donne pas le point, je vous donne pas. Parce que non, ça a été abusé là. Car moi je vous ai donné la réponse pratiquement. Donc du coup, je vous donne pas le point, mais la prochaine question sera une question qui vous fera gagner ou perdre. Non, ouais, qui vous fera gagner si vous la trouvez 2 points. Je réfléchis vite fait. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. Là, ce sera un animé ultra connu, mais ce sera un personnage. Que vous connaissez en tout cas. Je pense que vous connaissez. Alors, ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oui. Ton personnage est-il un ninja? Non. Merde. Non. Corrigé. Non. Ouais, bon, on va dire oui. Il a des cheveux noirs. Ton personnage est-il un ninja? Non. Ton personnage est-il issu de Dragon Ball? Non. Ton personnage a-t-il un pouvoir spécial? Oui. Ton personnage est-il méchant? Oui. Maintenant, je regarde vite fait vos réponses. Sasuke? Non, c'est pas Sasuke. C'est pas un ninja. S'agit-il d'un personnage de One Piece? Non. Ton personnage fait-il partie de Fairy Tail? Non. Ton personnage est-il un être humain? Non. Ton personnage tient-il un blog? Non. Ton personnage est-il né avant 1970? Ne sais pas. Ton personnage fait-il... Non, fais-tu du sport avec ton personnage? Non. Ton personnage fait-il des combats? Oui. Ton personnage habite-t-il en Lorraine? Non. Ton personnage fait-il des vidéos de déballage de produits? Il a cru que quoi, lui, hein? Ton personnage est-il né en Yougoslavie? Non. Il est bizarre, lui. Ton personnage est-il accompagné d'un rat empaillé? Non. Ton personnage est-il spécialisé en pédiatrie? Non. Ton personnage fait-il partie de Bleach? Non. Ton personnage utilise-t-il beaucoup Google? Non. Ton personnage peut-il voler? Ouais. Vegeta. Non, c'est pas Vegeta. Je regarde vite vos messages maintenant. Alors, Yukino Shita. Non. Ça, c'est pas une meuf dans Oregairu? Il me semble qu'il y a un mec, depuis tout à l'heure, il dit des persos de Oregairu. Ben non. Alors, Lelouch? Non. C'est dans Dragon Ball? Non, c'est pas dans Dragon Ball, j'ai coché non. Sonic? Non. Barbe Noire? Non. Sonic? Non. Genos? Non. Zelef? Non. Ouais, vous avez dit que ça. Yami dans Black Clover? Non. Genos? Non, tu l'as déjà dit, non. Alors, ton personnage a-t-il un rapport avec les manèges? Non. Ton personnage se déguise-t-il souvent en licorne? Non. Ton personnage a-t-il une ou plusieurs ailes? Ouais. Ton personnage est-il le partenaire du héros? Non. Ton personnage pèse-t-il plus de 100 kilos? Non. Ton personnage combat-il avec une épée? Oui. Ton personnage a-t-il beaucoup de muscles? Il est musclé, mais non. Ton personnage a-t-il... Non, as-tu déjà eu une relation avec ton personnage? Non. Ton personnage porte-t-il une combinaison blanche? Non. Ton personnage est-il toujours vêtu d'un costume blanc? Non. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo? Non. Ton personnage a-t-il le même père que toi? Non. Ton personnage a-t-il un frère ou une sœur? Oui. Ton personnage apparaît-il dans le manga Nanatsu no Taizai? Oui. Il va vous fumer, les gars. Ton personnage est-il parti d'un groupe de 10 membres? Oui. Estarossa. Non, c'est pas Estarossa. Mais il va vous fumer.
On continue, oui, il va vous fumer, les gars. C'est vite fait en vrai. Ton personnage a-t-il un frère aussi connu que lui? Oui. Ton personnage porte-t-il un costume vert? Non. Ouais, Zeldoris. Bien joué, Kotail. Zeldoris. C'était bel et bien lui. En vrai, Akinator, quand il est proche de la réponse, mais qu'il trouve pas la réponse, c'est vous qui gagnez en général. Parce que du coup, quand il dit ton personnage est-il parti de ce manga ou de cet animé, si moi je dis oui, généralement vous trouvez quelques secondes après. Vu que ça devient trop simple. Non, ouais, non, ça fait pas de 2. J'avais dit que c'était à 2 points celui-ci. Donc ça fait 3-2 du coup. Et en vrai, les gars, venez, on va jusqu'à 5. Parce que là, je commence à fatiguer. On va jusqu'à 5 en vrai. Ouais, faut que je lise. Il y en a qui disent que c'est devenu n'importe quoi, Nanatsu no Taizai. Il doit me manquer quelques chapitres à lire pour rattraper mon retard. Ouais, ok, on va aller à 5. Parce que là, je commence à mourir. On va faire un blind test après. Si j'ai encore de la sephore. Et sinon, on arrêtera. En tout cas, je suis content parce que d'habitude, à cette heure-là, il n'y a pas une cinquantaine de personnes encore sur le live. On est généralement une vingtaine. Bon, bref, j'arrête de parler. On passe tout de suite à la suite. Bon, Akinator, c'est bien beau. Nous, on recommence. Ouais, je suis. J'aime pas perdre. Et comme là, je suis du côté d'Akinator, du coup, j'ai le seum. Je suis le genre de gars qui est capable de dire: bon, bah, quand Akinator trouve une réponse, on lui met 2 points. Et quand c'est vous, c'est 1 point. Tellement j'aime pas perdre. Bon, bref. Alors. Putain, je suis con. Je commence à jouer alors que j'ai même pas trouvé de perso. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire deviner? Mettez-moi des noms d'animés. Et je vais essayer de prendre un perso dans les noms d'animés que vous aurez mis dans le chat. Ah merde, carrément, il y a Kibo qui dit tu l'as fait la première fois. Ah, c'est-à-dire que j'avais fait la dernière fois avec qu'on avait joué à Akinator. Parce que ouais, bah en fait, c'était une idée qui m'était passée par la tête. Là, maintenant, j'avais envie de le faire, mais je me suis dit non, vas-y, ça se fait pas. Bah en fait, je l'ai déjà fait. Putain, je suis vraiment un bâtard. Alors, il y en a qui me disent Kingdom. Kingdom, personne va... Il y aura que toi, chacun, qui va trouver la réponse. Alors, Owarino Seraph. Owarino Seraph, je connais que les... Les persos principaux. Genre, ce sera chou de trouver un personnage vraiment secondaire, voire tertiaire. Noragami. Ouais. Compion. Ouais. Compion, je pense pas que tout le monde connaisse Compion. Jugo de Nambaka. Non, mais faut pas me donner le nom d'un perso. Genre, tu dis que Nambaka. Oh, Simer, Shaka, il a offert un abonnement à Kibo. Noragami, Naruto, Devilman, Monogatari Series, Naruto, Devilman, Assassination Classroom, High School DxD, Akamega Kill, Gun... Non. Mais non, Kuta, ils vont pas trouver. Aono Exorcist, Fullmetal Alchemist, Baki Monogatari, Jojo Bizarre Adventure, Devilman, Rainbow, ah Rainbow, Hunter Hunter, Death Note. Lourd. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, c'est un truc de ouf. On était à 400 et quelques followers au début du live. Et là, on est presque à 600. On est à 573. Simer, les gars. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, c'est bon, j'en ai un. Merde, j'ai que son nom en français. Bon, déjà, ça, c'est un indice pour vous. Bon, celui-ci, on va dire qu'il vaut 2 points. Hein. Voilà, comme ça, on finit avec ça. En espérant que vous gagnez, bien sûr. Ton personnage s'habille-t-il avec des vêtements féminins? Non. Ton personnage a-t-il vraiment existé? Non. Ton personnage porte-t-il des habits? Ouais, bah oui. Ton personnage est-il gaucher? Merde, ça c'est une vraie question, mais je sais pas. Ton personnage combat-t-il le mal? Non. Ton personnage est-il moustachu? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui.
Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oui. Ton personnage est-il un ninja? Non. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Ton personnage est-il méchant? Non. Ton personnage fait-il des combats? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Oui. Ton personnage est-il footballeur? Oui. Merde. Ton personnage est-il gardien de but? Non. Ton personnage fait-il partie de la Team Rocket? Non. Ton personnage sent-il mauvais? Non. Ton personnage est-il actuellement le capitaine de son équipe? Ah, ne sais pas. Ton personnage a-t-il un frère? Ne sais pas. Ton personnage a-t-il des poils orange? Il le fout, lui? Non. Ton personnage porte-t-il un masque de chat? Non. Ton personnage est-il défenseur? Non. Ton personnage est-il japonais? Oui. Ton personnage a-t-il été le capitaine emblématique de son équipe? Non. Ah, le bâtard. Il vous a fumé. Alors, je regarde vite fait les messages pour voir si... Ah merde, j'ai pas vu, il y en a, ils m'ont envoyé des messages pour les prochains persos. Oh, ok, je vais le prendre. Je vais prendre ce perso, ouais, ok. Mais du coup, celui qui m'a envoyé le message, bah, t'as pas le droit de répondre dans le chat, hein. C'est-à-dire, si tu réponds, je vais faire comme si j'avais pas vu. Donc ouais, donc c'était Taro Misaki, de Olivier Tom. Donc je regarde vite fait les réponses pour voir si vous l'avez dit avant. Captain Tsubasa. Non. Tsubasa, non. Olivier, non. Captain Tsubasa, non. Inazuma. En fait, j'ai fait exprès, les gars. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'étais au collège, au lycée, dans Olivier Tom, je connaissais que le nom de Olivier Hatton. Donc le héros principal dans la version française. Ou Tsubasa Onozora, je sais pas quoi, je me souviens plus de son nom. Ozora, Tsubasa, je sais pas quoi. Je connaissais que son nom. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est la même chose pour vous, qui devait être jeune, etc. Et donc, j'ai fait exprès de prendre un personnage quand même connu dans Captain Tsubasa, mais qui a un nom, voilà quoi, un nom oubliable. Donc voilà. Ouais. Il y a un mec qui a dit Axel Blaze. Putain, ça me tue ces noms là. Ça, c'est pas dans Inazuma Eleven. Bon bref, du coup je regarde vite fait le chat. Twitch ça bouffe trop de batterie, Starfall. Ouais, de ouf. Alors, Taro Misaki. Oh, Simer Chaka pour tes dons. Simer Chaka. En vrai, je sais même pas ça vaut combien tout ça. Mais bon bref, merci. Ça se trouve le mec qui m'a donné Vla. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, donc du coup, il y a un abonné qui m'a envoyé sur Discord un message où, avec le nom d'un personnage. Toi, abonné qui m'a envoyé le nom de ton personnage, ne réponds pas en fait. Parce que si tu réponds, bah, je l'ai déjà dit, mais je vais ignorer ton message. Ouais, bon, il y en a qui disent franchement, cheveux noirs, je vois brun, bon, bref. Mauvais perdant. Donc du coup, la personne là qui s'occupe de compter les points, elle peut me dire on en est à combien? Là, je crois qu'on est à égalité, non? Je sais pas. Vu que j'avais dit que cette question, elle serait 2 points. Ah, je me sens plus. Je sais plus s'il y a 3-3 ou 3-2. Vous êtes des oufs? Genre, il y a 3 à 4 pour vous. 3 à 4? Vous êtes sérieux, les gars? Attendez, je vais remonter le chat. Mais non, c'est pas possible, il n'y a pas 3 à 4, wesh. Mais oui, il y a 3-3, là. Eh, vous êtes des ouf. Eh, vous êtes des ouf, il y a 3-3. Oh, du coup, c'est lourd. C'est-à-dire, le prochain, il va valoir... Non, que si je fais en sorte que le prochain, il vous fasse gagner 2 points, je suis sûr que celui qui m'a envoyé le message, il est capable de tricher. Donc du coup, il va valoir que 1 point. Donc là, il y a 3-3, le prochain, il vaut 1 point. En vrai, ça aurait été lourd que je fasse 2 points. Comme ça, un petit combat avec un vainqueur à la fin. Alors, qui je vais prendre? Là, je vais en prendre un qui est grave compliqué. Non, en vrai, ouais. C'est bon, je vais en prendre un qui sera facile.
Alors, ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage existe-t-il réellement? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage va-t-il à l'école? Non. Ton personnage a-t-il été fusionné? Non. Ton personnage fait-il de la détection de métaux? Non. Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? Non. Ton personnage a-t-il inventé une machine à voyager dans le temps? Non. Maintenant, je regarde le chat. Y a Kibo qui dit j'ai fait une capture d'écran. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, s'il y a un modérateur ou un animateur qui est encore là dans mon live, est-ce qu'il peut remettre le lien du Discord? Ou même une personne random hein, en vrai. Alors, Killua, non, Luffy, non, Gon, non. Je pense que vous le connaissez, mais vous n'avez pas forcément regardé l'anime ou le manga. Mais je pense que quand vous aurez la réponse, vous allez dire ah ouais, je connais, mais j'ai pas regardé. Donc en bref, vous pouvez trouver le nom, mais je pense que la majorité d'entre vous n'a pas regardé. Cimer, pour ceux qui mettent le lien du Discord. Attends, là je clique vite fait sur le lien pour voir si c'est en faux. Alors bref, on continue, on continue. Ton personnage a-t-il une moto bleue? Non. Ton personnage est-il issu de Dragon Ball? Non. Vous pouvez mettre hein, vos personnages pendant ce temps. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Oui. Ton personnage. Merde, ça a pas cliqué. Ton personnage combat-il avec une épée? Oui. Ton personnage fait-il partie de l'équipe de la méthode Koé? What the fuck, il est con ou quoi? Ton personnage peut-il se transformer en monstre? Bon. Je vais dire oui, mais ce sera un spoil. Ton personnage combat-il des titans? Non. Ton personnage a-t-il un frère? Non. Fréquentes-tu ton personnage sur ton lieu de travail? Non. Oh, il y en a un qui a trouvé. C'est bel et bien Guts, Meliodas 42 000. T'as trouvé. Donc du coup, ça vous fait 4-3. Et le prochain, comme je suis un bâtard, le prochain, il va vous faire gagner 2 points. Non, 1 point, 1 point, 1 point. Guts, c'est dans Berserk. Alors. Bah du coup on commence à Kinator. Alors. Ton personnage habite-t-il avec des vêtements féminins? Oui. Ton personnage te connaît-il personnellement? Non. Ton personnage habite-t-il en France? Non. Là c'est un autre hein, les gars. Ton personnage est-il réel? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage va-t-il à l'école? Oui. Ton personnage fait-il des combats? Oui. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux roses? Non. Ton personnage fait-il partie de la légende arthurienne? Non. Ton personnage est-il marché? Oui. Ton personnage a-t-il eu des problèmes avec une chanteuse américaine? Non. Ton personnage a-t-il déjà sorti plus de 3 albums? Non. Ton personnage a-t-il déjà eu les cheveux blonds? Non. Ton personnage possède-t-il des armes? Oui. Ton personnage combat-il avec une épée? Oui. Ton personnage est-il parti de Sword Art Online? Non. Ton personnage est-il mort en prison? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux blancs? Non. Ton personnage a-t-il un style médiéval? Non. Ton personnage est... Waouh. Ton personnage est-il arrivé dans ta famille après toi? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux violets? Oui. Ton personnage est-il entouré de zombies et vous a fumé? Saeko Busujima. On va voir maintenant vos réponses. Il vous a fumé, les gars. Alors, Asta, non. Akame, non. Asuna, non. Arima, non. Oh, les gars, ça c'est incroyable, hein. Donc ça, c'était le personnage d'un... Merde. Qu'un abonné m'avait demandé de vous faire trouver. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, bah du coup, là, il y a 4-4, les mecs. Là, c'est grave serré, il y a 4-4. Ça veut dire, le prochain personnage, il va faire un gagnant. Et bah du coup, un perdant, en fait. 4-4, les mecs. Faut que je trouve vraiment un personnage énervé pour que ce soit assez long quand même. Donc ouais, on fait comme d'hab. Merde, là je me suis mis en dessous de mon micro, donc dites-moi si vous m'entendez bien quand même. Vu qu'en fait là je suis sur mon lit hein, quand je vous parle. Donc dites-moi comme d'hab le nom d'animé, moi je vais voir si je prends un personnage dans les animés que vous me dites. Tain, et Akinator, extermine-les. Extermine-les Akinator. Et la dernière fois vous aviez trop fait les malins. Pas un gagnant, mais 41. Ouais, vous êtes 41.
Ok, vous m'entendez, ok. Merde. Donc donnez-moi des animés et moi je vais essayer de voir si je vais si mon prochain personnage fera partie des animés que vous me dites. Oh, j'ai trouvé, c'est bon. Alors, eh, j'espère qu'il sera long. Ah non, non, il sera trop facile celui-ci. Ouais, non, non, ça peut le faire. Alors, ton personnage est-il un garçon? Non. Ton personnage te connaît-il personnellement? Non. Ton personnage existe-t-il réellement? Non. Ton personnage fait-il des combats? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Blond? Non. S'agit-il d'un personnage d'un dessin animé? Dessin animé, animé, on va dire oui. Ton personnage joue-t-il dans un dessin animé de Walt Disney? Non. Ton personnage a-t-il une apparence animale? Non. Maintenant, je regarde. Pardon, maintenant je regarde vos messages. Aominé de Kuroko no Basket, non. Ok, non, c'est pas Aominé. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Ton personnage va-t-il à l'école? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Non. Aimes-tu encore ton personnage? Mais est-ce que j'ai déjà aimé même? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Oui. Ton personnage a-t-il des demi-sœurs? Je sais pas. Ton personnage a-t-il les cheveux roses? Oui. Ton personnage chante-t-il des chansons humoristiques? Je sais pas. Ton personnage est-il fan de basketball? Oui. Satsuki Momoi. On va voir vos messages maintenant. Personne n'a trouvé le gagnant de cette soirée de Akinator versus Abonné. Et donc Akinator qui vous a fumé les gars, il vous a fumé 5-4. C'était bel et bien Satsuki Momoi. Vous vous êtes fait fumer les gars. Je crois que c'est la première fois qu'Akina. Non, c'est pas la première fois. Mais là, vous vous êtes fait fumer comme jamais. Mais j'avoue, c'était un beau combat quand même. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.